Sound Village, né l'année dernière, deuxième édition. L'objectif de l'association, l'ADN, c'est la transmission. Pour apprendre à tout le public qui vient à la Fruitière et au Festivalier, on propose différentes animations, ateliers, conférences. C'était par deux sur des platines, sur des tables plutôt, et on essayait de découvrir un petit peu, de s'améliorer, et surtout les loops et tout ça, et les effets aussi. Il y avait beaucoup plus d'effets que ce que je fais chez moi. Je travaillais en premier sur une pionnière, et puis après je suis passé à du Roland, je crois. J'ai réussi à faire pas mal de trucs, à trouver aussi quelques loops et tout ça, et c'était vraiment bien. Ça nous a beaucoup plu, c'était très didactique, bonne vulgarisation, des questions intéressantes à la fin, ce qui prouve que le public était lui-même concerné, et une oratrice très disponible et très compréhensible. Franchement, très bon niveau, merci beaucoup.